umuntu yambwiye ngo ndakwereke ahantu tuzoza gukorera amafaranga w'umukobwa ndamubaza ati ni hehe arambwira ngo ni muri Arabie Saoudite ndamubwira ati bahemba gute ngo na madorari ngo tuzosubira gukena amacha turagenda muri ville ngo ahantu badepoza twagiye twaba twarashika nka 30 kuko sinabaharuye kuko twari besi cyane. La traite des êtres humains est un phénomène grandissant dans le monde qui regroupe plusieurs formes d'exploitation. Les plus courantes étant l'exploitation sexuelle et le travail forcé, mais on peut aussi y inclure, entre autres, le prélèvement d'organes. Presque tous les États dans le monde sont touchés par ce crime contre l'humanité, qu'un pays d'origine, de transit ou de destination des victimes. La traite des êtres humains est l'une des plus graves violations de droits de la personne humaine, qui cible souvent les gens très vulnérables ou les plus vulnérables dans nos sociétés. Et c'est aussi un crime, souvent très très organisé. C'est considéré comme la troisième forme de criminalité la plus lucrative dans le monde, après le trafic d'armes et le trafic de drogue. Dans sa mission de promotion et de protection des droits de la personne humaine, le gouvernement du Burundi a ratifié le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et aussi adopté une loi portant prévention et répression de la traite en 2014. Et depuis longtemps, l'État du Burundi s'est résolu en collaboration avec la communauté internationale et pour combattre le crime de la traite des êtres humains. L'État du Burundi a intégré dans le code pénal des dispositions qui répriment l'infraction de la traite des êtres humains au Burundi. Comme société civile, nous avons décidé unanimement de nous lever comme un seul homme pour lutter efficacement contre la traite des personnes. Donc c'est depuis 2014 que la lutte a commencé. Et c'est en 2016 que le gouvernement a constaté que le phénomène est une réalité, une triste réalité au pays. Et cela nous a encouragés. Donc les actions que le gouvernement a prises contre les présumés auteurs de la traite, contre des sociétés qui faisaient ce commerce illégal de nos filles, nous ont encouragés. Des millions de personnes fuyant la pauvreté extrême, les désastres naturels et les conflits connaissent une vulnérabilité grandissante et peuvent facilement être à la merci des trafiquants qui exploitent leur désespoir. La première cause que nous avons identifiée de cette exploitation est la pauvreté. Et ça, c'est la tendance globale parce que les trafiquants profitent d'une situation de vulnérabilité ou de pauvreté. Le Burundi n'a malheureusement pas été épargné par ce fléau et a ainsi enregistré pas mal de cas de traite ces dernières années. Ici au Burundi, OIM a lancé un projet de lutter contre la traite en 2017 et nous avons continué ce projet cette année en partenariat avec le gouvernement du Burundi et avec le soutien du Royaume des Pays-Bas. Notre approche est basée sur quatre piliers, le partenariat, la prévention, la protection et la poursuite ou bien la répression. Certaines victimes enregistrées font face à la triste réalité. Aucun salaire ne leur sera octroyé. Elles ont été vendues et devront travailler comme des machines, nuit et jour, pour rembourser cette dette dont elles n'avaient même pas connaissance. Bona baratelefonye umuntu acyaraza kunora aho kubiro kandi batanze amafaranga atagira uko angana arabahereza amahera menshi acyaraba abacha baramuha passport acyaranjana niho yacanjana muri iyo nzu kunkoresha nkarara ndakora ijoro ryose ntibigeze bamawe pe uyu mwana ararusha ruhuke banjana kuntoza ibyacu mu ijoro kugaburira ibikoko kugaburira intama nkarandagenda ijoro ryose imbuga zigomba kunjya harashitse ahantu ukaruha ukajya mu tebyo nk'uko ukoze nka saa kubyuka saa 10 nimba mu gatondo ukajyama nka saa 9 mu ijoro zede nta mwanya wo kuruhuka uhari ibibambazi nabyoza na broso nkaduga mu etaji geretse indwi iyo yose nayitegekwa nayimaze barabona ko nkunda ibikorwa bakambwira ati uyu mwana nazosubira iwabo
bakagomba kunyica nyene mvuze ko nzosubira iwacu bakankubita niho nkajambona abahungu bagomba kunyiruka aho baza bipfunze ndi mu gutorera ibyo byatsi bipfunze mu maso bagomba kunkorera icyaha umwe muri bo niwe yankoreye icyaha bakambwira kubera navuye no bambwiye ati uvuze ko hariya wakorewe ikintu cy'icyaha baca bakwica bagaca bagusonga ugapfa sinigeze mvuga ikintu na kimwe. Face à cette exploitation, certaines victimes subissent différents traumatismes. Umuntu utanguye kunya rero bacha barambira ngo none wewe ubibona gute uwe kumeze nk'umuntu udashoboka cyane ndababwira oyaha nje numva meze nabe bacha barambira ngo sohoka hande ntanguye kurira rero mu gatondo ndarira kabisa ndarira numva umutwe urukurange bimaze kubuko hanyuma rero ndasaragurika ndakubita induru ndarira kabisa hari senkero mu gatondo aho none natakaje ubwenge mvuga ibintu bitajyanye bacha baranshikana mu icyo kigo rero abantu bataye ubwenge bacha barambira ngo none bahugize gute nje ndababwira nje bamfashe nabi n'amahera y'amezi abiri na kimwe bampaye acavuga reka rero turabe ukuntu wacu ugenda muhiri wanyu. Notons aussi que les conséquences de la traite affectent considérablement les familles de ces victimes. Umufasha wacu yavuye aha agiye kurondera ubuzima mugabo bivanye n'imirimo myinshi no kuvuga cagwarirayo amaze kugwara biranka ko akora haragera ko inyuma y'amezi nk'abira tatu bamusubiza inyuma aza ntacu ajazanye kandi ageze ngaha ingwara rero ziramukarira. Turajya mu bipimo dusanga umubiri we urasinzika ibirenze turamujyana mu bitaro mu Cibitoke aho yamaze muri koma hafi indwi zibiri zirenga atavuga atabona uwinjira atabona usohoka yaciye yitaba Imana. Ni ukuvuga ubu rero yasigiye abana bane kandi abo bana urumva ko nibo yaragiye kuronderera kuko se yiruka nkagira gute ni kubera turabe ko abana bobaho umuryango wacu wobaho uzokwiga ibintu nk'ibyo umva aramaze kwitaba Imana rero twasigaranye abana jewe nije nduga manuka nije nyina nije papa wabo urumva nije nguma ndabaronderera muri make. Ces témoignages mettent en lumière la réalité brutale de la traite des êtres humains dans le monde. Les personnes les plus vulnérables souffrent en silence. Ces crimes prospèrent dans l'ombre. Et les trafiquants profitent de la vulnérabilité de ces victimes. Et c'est pour cette raison que l'OIM, en partenariat avec le gouvernement et la société civile, fait des campagnes de sensibilisation pour informer la population aux risques et de leurs droits. Mais aujourd'hui, nous avons deux centres de prise en charge des victimes de la traite. Le premier centre est hébergé par la SOJIPAI. Se trouve à Kinindo, à mairie de Bujumbura, et le deuxième centre se trouve dans la province de Makam. Donc c'est ça comme actions qui sont en cours au niveau de la société civile, mais nous avons des perspectives qui vont nous aider à lutter efficacement contre la traite des personnes dans la limite de nos forces, de nos moyens. Les données montrent que cela affecte de manière disproportionnée les femmes et les filles. Les enfants sont également particulièrement vulnérables. Ces conséquences sapent la vie, le bien-être, les droits de la personne humaine et la dignité des gens. Comme société civile, c'est vrai, nous avons des limites, mais nous avons pu mener des actions de plaidoyer. Nous avons organisé des séances de sensibilisation, de conscientisation de la population burundaise pour qu'elle se rende compte des conséquences néfastes de la traite des personnes. Donc c'était un phénomène inhabituel parce que personne ne croyait pas qu'une autre personne peut se permettre de vendre la personne ou l'enfant d'autrui. Le gouvernement du Burundi a pris le problème de la traite à bras le corps et travaille en étroite collaboration avec l'OIM Burundi et les autres partenaires pour contrer ce fléau. En 2014, l'État du Burundi a promulgué une loi spécifique numéro 1/20 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de traite des personnes et protection des victimes de la traite. En date du 29 mars 2018, sur l'instruction du chef de cabinet du président de la République, le cabinet du premier vice-président de la République a mis en place un comité ad hoc
chargé d'étudier les stratégies nécessaires pour démanteler les réseaux et punir les trafiquants, sans oublier de rapatrier et aider les victimes. Pour démanteler les réseaux criminels qui sont souvent bien organisés et sophistiqués, et pour permettre le jugement des trafiquants, il faut que tous les intervenants de la lutte contre la traite, dont la justice, la police nationale et tous les partenaires, travaillent ensemble dans une manière coordonnée et organisée au niveau national et aussi régional et international. Les actions que le gouvernement a prises contre les présumés auteurs de la traite, contre des sociétés qui faisaient ce commerce illégal de nos filles, nous ont encouragés. En vue de faciliter le rétablissement et l'autonomisation des survivantes, le IEM Burundi leur attribue une assistance adaptée aux besoins de chacune. OIM fournit une assistance immédiate en cas de besoin, par exemple l'assistance médicale ou psychiatrique et l'abri, et aussi une assistance à long terme pour promouvoir une réintégration durable. Par exemple, la formation professionnelle et le soutien à la création des petits commerces comme les boutiques ou la culture, et ça renforce l'autonomisation des survivantes. En plus, nous formons des professionnels, notamment des psychologues, des médecins et des avocats, pour une meilleure prise en charge des victimes. N'eût été le dévouement d'un père compatissant, Zoubeda ne se serait sûrement pas remis de sa dépression. Un long parcours plein d'embûches, certes, mais le papa ne s'est jamais lassé d'accompagner sa fille sur le chemin de la guérison. Mamwana yamaze nk'amezi ndwari mu bitaro ariko cyo dushimwe no munsi umwana uni muzima aracuruza. Toute fière, Zoubeda nous montre ses marchandises, son papa toujours à ses côtés. Elle se sent plus en confiance. OIM yarankurikiranye mu kumvuza bongera barafashanya na SOGEPAI mu kumvuza no mu kunsabira muri SOGEPAI aho ndyama n'ivyo nzofungura bongera barampangira inzu aho ndandariza botike niho mba nkongera nkadandariza. Pour faire face à cette négation massive mondiale des droits fondamentaux et universels de la personne humaine, c'est un effort d'ensemble qui est nécessaire. Finalement, je peux dire que la traite, c'est une forme d'attente à la dignité humaine qui concerne nous tous. Et on doit défendre ensemble ces valeurs universelles. Au niveau de la FENADEB, cette lutte doit être une lutte conjuguée. Ce n'est pas une lutte d'une seule coalition, ce n'est pas une lutte d'une seule organisation. Donc nous devons nous lever tous dans l'unanimité pour mettre fin au phénomène de traite des personnes au Burundi. Le gouvernement donc est déterminé à lutter contre cette forme de criminalité. Ce qui est aussi réaffirmé la volonté du gouvernement de collaborer avec les autres États dans le renforcement et surtout dans la lutte contre la traite des personnes et aussi des rapatriés.